Avec les poulies jetées, réalisées sans temps d'arrêt, l'athlète reproduit et renforce le type d'impulsion propre au lancer du poids. La force explosive, entraînée par des exercices de lancer du poids en avant et en arrière, peut être exécutée en alternance avec des exercices de musculation à charge maximale ou submaximale, ou tout simplement durant des séances isolées. Pour améliorer cette qualité primordiale, les diverses formes de lancer sont exécutées dans un seul but, lancer plus fort, lancer plus loin, avec le verdict sans merci du ruban métrique. Good. Il en va de même des diverses formes de bondissement réalisées sous la pression du chronomètre, seul moyen de raccourcir encore et encore les temps de contact au sol. Ultime exercice de souplesse, de relâchement au rythme du coureur de haies, avant de goûter au rythme des vagues de l'océan et d'accéder au plaisir et à la détente des jeux de plage. Enfin, la compétition. L'heure de vérité, concrétisation de tant d'efforts minutieusement planifiés. L'athlète s'efforce de faire converger toutes ses forces physiques et mentales derrière cette sphère de 7 kg écart, comme ici, lors du record du monde en salle, qu'il s'agira d'analyser afin de préparer les prochains succès. Les positions clés du lancer sont imprimées et comparées à un modèle de référence construit sur la base de données biomécaniques. La perception de l'athlète, l'observation de l'entraîneur et l'œil de la caméra permettent d'affiner d'entraînement en entraînement, de compétition en compétition, d'année en année, l'efficacité du geste à la recherche de l'excellence.
L'héritage de 12 ans d'entraînement et de compétition au plus haut niveau constitue un capital d'expérience extraordinaire, une grande chance et un véritable défi pour toute une génération de jeunes athlètes. C'est à toi, Werner, qu'il appartient d'écrire le prochain chapitre. Ton entraîneur et ami, Jean-Pierre Héguer.